Bienvenue dans cette vidéo où on va aborder la bataille de Formigny qui s'est déroulée le 15 avril 1450. Elle va devenir le tombeau des Anglais, mais surtout, elle va permettre de libérer progressivement la Normandie de l'occupation anglaise. On verra comment Jean de Bourbon et le duc de Bretagne, qui sont en infériorité numérique, vont mettre en pièces plusieurs milliers d'archers anglais et gallois commandés par Thomas Kyriel qui venait à peine de débarquer à Cherbourg afin de renforcer les positions anglaises. Ne vous fiez pas à ces images idylliques, car c'est bien ici, à cet endroit, que se déroula la bataille de Formigny, le tombeau des Anglais. La situation des Anglais en Normandie est déjà relativement précaire, mais le roi d'Angleterre tente de renforcer ses positions en envoyant plusieurs milliers d'archers en Normandie, afin de soutenir et de renforcer leurs positions existantes. En effet, il ne reste aux Anglais que les villes de Falaise, Caen, Bayeux, Cherbourg, Saint-Sauveur-le-Vicomte, Avranches et Briquebec. Rouen était déjà tombé sous les forces de Dunois, qui commande l'ensemble des actions en Normandie en étant le lieutenant général des armées de Charles VII. Tandis que le duc de Bretagne et le connétable de Richemont entrent de plein pied dans la guerre contre les Anglais dans le sud de la Normandie après avoir signé un traité avec Charles VII le 27 juin 1449. Tandis que le 31 juillet 1449, Charles VII décide de reprendre l'offensive contre les Anglais, de Normandie notamment, au château des Roches-Tranchelion près de Chinon. Pendant ce temps-là, les Anglais perdent aussi le support des habitants de Normandie, écrasés d'impôts et de taxes. Souvenons-nous de la taxe exceptionnelle imposée aux Normands pour payer la rançon aux Bourguignons pour condamner Jeanne d'Arc. Car oui, les Anglais font payer les Normands pour payer la rançon. Charles VII va jouer habilement sur ce point en exemptant temporairement de taxes les Normands qui ont fui les terres contrôlées par les Anglais, ce qui lui permet de réduire les résistances lors des interventions militaires en Normandie. De plus, les révoltes sont de plus en plus nombreuses dans le Bessin et le pays de Caux. Sans oublier l'insécurité qui règne par des brigands qui pillent les villages et la population sans que les Anglais ne puissent y faire quelque chose, au point que Thomas Bazin, évêque de Lisieux, dira que le seul remède, c'est le départ des Anglais. Le roi d'Angleterre, Henri VI, est obligé de vendre une partie de ses bijoux de famille pour payer une nouvelle armée pour aider le duc de Somerset, gouverneur de Normandie, pour les Anglais. En effet, il estime que si rien n'y fait, la Normandie serait aux mains des Français dans un bref délai. Le roi d'Angleterre signe un ordre de formation d'armée le 20 décembre 1449 avec, comme commandant, Thomas Kyriel. Mais c'est seulement le 15 mars 1450 qu'ils vont débarquer à Cherbourg avec environ 4000 hommes, dont une majorité d'archers. Il doit faire une jonction avec les forces de Somerset en espérant réunir pas loin de 12000 hommes. Les troupes de Thomas Kyriel mettent le siège sur Valognes, qui résistera plusieurs semaines avec Abel Rouault. Thomas Kyriel, le capitaine anglais, va recevoir plusieurs renforts. Robert de Vere, qui venait de la ville de Caen avec environ 600 combattants. Mathieu Gouc, appelé aussi Matago, de la ville de Bayeux, avec 800 combattants environ, et Henri Norbury, de la ville de Vire, avec environ 400 combattants.
Lors du siège de Valognes, les Anglais vont néanmoins perdre 500 hommes environ. La ville de Valognes tombe le 10 avril et après avoir assuré la ville d'un capitaine anglais, ils partent vers Bayeux. Cette perte de la ville de Valognes, Charles VII en fut fortement courroucé. Après avoir pris la ville de Valognes, Thomas Kériel et ses troupes partent en direction de Bayeux vers le 12 avril 1450. Le comte de Clermont, qui n'est pas très loin, comprend qu'ils partent vers Bayeux. Il va donc tenter de les intercepter ou au moins, plutôt, de ralentir leur progression. Pour cela, il va s'attaquer à l'arrière-garde et il fera plusieurs blessés et tués du côté anglais. Le comte de Clermont a rassemblé environ 3000 hommes, dont Pierre de Brézé, l'amiral de Coëtivy, Geoffroy de Couvrant, Pierre de Louvain, Ricardville et d'autres. Les Anglais qui avancent vers Bayeux s'arrêtent à Formilly au soir du 14 avril. Il faut rappeler que l'objectif de Clermont et du connétable de Richemont, c'est d'intercepter les Anglais avant qu'ils arrivent à Bayeux ou à Caen. C'est donc une course-poursuite, puisque les troupes de Clermont sont à l'approche, sont à l'affût des troupes de Kériel, tandis qu'il attend également le renfort du connétable de Richemont, qui lui est un peu plus loin du côté de Saint-Lô. On ne sait pas ce qui a conduit Kériel à préférer rester sur place plutôt que de rejoindre les troupes de Somerset à Bayeux ou à Caen. Pensait-il qu'il avait l'avantage du nombre et qu'il espérait du renfort, ou avait-il peur de finir comme à Patay où les archers anglais furent pris presque par surprise par les troupes de Jeanne d'Arc, Dunois et les fameux Écossais, finissant en hécatombe et prenant une pâtée monumentale. Sachant qu'il était en supériorité numérique et estimant que les archers anglais ne sont jamais aussi bons qu'en position statique et protégés par des piques, préféra-t-il rester, ce qui est dans la logique de la tactique anglaise. Ses prédécesseurs ont tous fait pareil en général. Pendant 3 heures environ, chaque troupe se prépare. Les anglais mettent des pieux et des fossés afin de protéger les archers des attaques de chevaliers et cavaliers. Tandis que les français préparent probablement les couleuvrines. Comme souvent dans ce genre de situation, les Anglais sont assez habiles, puisqu'ils vont se mettre dans une position favorable en se protégeant l'arrière-garde par le petit ruisseau de Formigny, en restant environ à 150 mètres de celui-ci, et aussi en abattant des arbres et en mettant des feuillages derrière eux afin d'éviter d'être surpris par l'arrière. Kériel fait mettre une troupe derrière le ruisseau. Face à Trémières, c'est d'ailleurs par là que le connétable de Richemont va venir. Mais peut-être aussi que Kériel voulait simplement assurer ses arrières. Ils vont aussi mettre un taudis, petit fortin de fortune sur la droite de son armée. C'est très probablement appelé un taudis parce que ça ne devait pas ressembler à grand-chose. Il faut savoir que malgré ce que l'on pense, à cette période, l'artillerie pouvait tirer à plusieurs centaines de mètres avec une certaine précision qui évolue avec le temps. Les couleuvrines à main, ou couleuvrines dites lourdes, avaient une portée efficace d'environ 500 mètres, mais pouvaient tirer plus loin si nécessaire, mais au résultat plus aléatoire. Voici quelques faits intéressants. En 1428, lors du siège d'Orléans, une bombarde dite le chien était utilisée pour lancer des boulets de pierre pesant 60 kg à une distance de 1400 mètres. En 1430, lors de la retraite des troupes de Jeanne d'Arc derrière le Clos Saint-Lazare à Paris, elles furent prises à partie par des projectiles provenant des bombardes positionnées sur la porte de Saint-Denis à une distance de 850 mètres. Ces bombardes du XVe siècle avaient donc une portée à peu près équivalente à celle des canons de Napoléon Ier et même à celle des obusiers français de 1870, mais les dégâts étaient cependant différents et la précision pas équivalente. Clermont arrive donc devant Formigny vers 7h du matin. Il va se mettre en position, les armées françaises vont se mettre en position, et vers 8h du matin, nous avons à peu près cette configuration que nous voyons sur la carte. Ils vont se regarder en chien de faïence pendant 2-3 heures environ. Après une pause de 3 heures qui a permis aux Anglais de se retrancher davantage, les Français commandés par Clermont se sont déployés prudemment. En effet, ils sont à 300-400 mètres de la ligne anglaise, très largement hors de portée efficace pour transpercer une armure avec un arc
En effet, pour transpercer une côte de maille, la distance maximale avec un longbow est d'environ 100 mètres et seulement de 60 mètres pour transpercer une armure. Évidemment, lors de la bataille d'Azincourt, l'effet de masse a pu jouer puisqu'il visait notamment les chevaux. Dans le cas présent, ce n'est pas le cas puisqu'ils sont assez loin et Clermont va surtout attaquer à pied. Par contre, si les arcs ont une portée inefficace à cette distance, eh bien ce n'est pas le cas de la Coulevrine qui va pouvoir tirer et qui, pour la première fois, va devenir une artillerie de campagne. En tout état de cause, dans les premières heures de la bataille, Clermont a ouvert le front avec une attaque d'infanterie ou deux attaques sur les lignes de Kyriel, probablement sur les flancs, et notamment pour tenter soit de les faire sortir de leur retranchement, soit de les harceler afin d'éviter qu'ils continuent de s'installer tranquillement. Ils sont assez vite repoussés par les Anglais, les archers auraient fait des tués parmi les Français, mais les sources divergent à ce sujet. En tout cas, la formation anglaise comptait environ plus de 4000 à 5000 hommes de face et de front contre les Français, avec une prépondérance d'archers, notamment plus de 3000 a priori. Et ils se rassemblaient derrière un fourré de pieux et de remblais bas. La deuxième attaque, eh bien, c'est une seconde charge de Clermont, visant spécifiquement a priori les flancs des Anglais. Car à la différence d'Azincourt notamment, eh bien, les flancs anglais ne sont pas protégés par les bois. Et donc, ils ont une certaine difficulté et très clairement, Clermont en profite. Alors, sur cette deuxième charge, les Français auraient perdu 100 à 200 hommes. Mais là aussi, il faut rester très prudent, puisque les sources sont contradictoires, et puis on voit mal quand même comte de Clermont lancer des vagues d'attaque aussi imprudentes, alors qu'il est très largement en infériorité numérique, et qu'il sait que le connétable de Richemont va arriver. Donc on peut probablement envisager qu'il s'agit plus d'attaques, vraiment d'harcèlement des positions anglaises afin d'éviter qu'ils s'installent trop facilement, mais il ne s'agit pas d'attaques massives avec des pertes lourdes. Après avoir attaqué les positionnements et retranchements des Anglais, mais principalement pour un but d'harcèlement des positions anglaises, eh bien, nous allons voir se développer l'artillerie de campagne avec au moins deux Coulevrines qui sont mises en avant, qui sont mises en œuvre par Louis Géribault, qui est l'un des inventeurs, avec les frères Bureau, de l'artillerie de campagne. Alors ça veut dire quoi l'artillerie de campagne? Eh bien, ce sont des Coulevrines à roues et beaucoup plus mobiles, ce qui permet d'être utilisées sur la campagne, sur les terrains, tels que nous le voyons aujourd'hui. C'est la première fois, en tout cas, comme je le disais, que les Français utilisent les canons lors d'une bataille rangée. On peut probablement estimer que les dégâts furent terribles pour les Anglais, qui se prennent des boulets en fonte, beaucoup plus performant que des boulets en pierre, qui semblent également avoir été tirés pour ces derniers. Le boulet en fonte a le gros avantage de ne pas exploser lors du premier impact, et donc de perforer plus facilement toute défense. Les archers, donc, perdent progressivement leur avantage par la perte de leur protection, à savoir que les Français peuvent tirer un coup toutes les 10 minutes environ, avec au moins deux coulevrines, et peut-être plus, mais on n'en est pas sûr. Voyant ça, eh bien, le capitaine anglais Gook envoie 600 archers et piquiers afin de combattre et de capturer les Coulevrines. Brézé et Mauny, surpris, vont se défendre néanmoins. Les Anglais arrivent cependant à capturer les deux Coulevrines en tuant peut-être les opérateurs des canons, mais ça reste incertain, surtout qu'ils vont être réutilisés par la suite. Après ce coup, étonnamment, les Anglais ne profitent pas de leur court avantage. Pierre de Brézé va les surprendre en contre-attaquant à pied et en arrivant à reprendre les deux Coulevrines. Sur cette attaque, contre les 600 soldats, les Anglais vont perdre environ 200 archers. Mais là aussi, il faut rester prudent sur ces chiffres. En réalité, la capture des Coulevrines par les Anglais n'a pas dû être très longue, puisque en fait, le poids de ces engins pour les déplacer ne devait pas être aisé. Et puis, sachant que les Français étaient quand même présents, juste à côté, ils ont pu reprendre probablement les Coulevrines, alors que les Anglais étaient peut-être en train de les ramener. En tout cas, le comte de Clermont semble continuer à les harceler, et surtout, il fait de nouveau tonner les Coulevrines. Et d'un coup, nous avons l'amiral de Coëtivy, un Breton, qui va attaquer les flancs anglais.
cette charge surprise, peut-être d'ailleurs sur une position défensive anglaise qui a été amoindrie, notamment par les coups Lovren, eh bien, Koetivi attaque les flancs et transperce, éventre en partie les troupes anglaises. Alors là, à partir de ce moment-là, c'est la confusion totale. On ne sait pas vraiment qui prend le dessus sur les uns ou sur les autres, mais la bataille fait rage. Mais on peut penser que les Anglais sont en difficulté. Alors selon les sources anglaises, ça serait plutôt les Français, mais ça reste à démontrer, puisqu'ils restent quand même sur place, ils continuent le combat, alors que le connétable de Richemont n'est pas encore arrivé, et puis les Anglais n'ont également toujours pas de renfort. En tout cas, le combat est incertain, mais les troupes françaises, à ce moment-là, semblent ne pas avoir perdu beaucoup d'hommes, tandis que les Anglais ont déjà perdu plusieurs centaines d'archers, probablement. La tension est à son comble. Mais alors que le combat fait rage, des troupes apparaissent du côté de Trémière. En fin d'après-midi, les Anglais, dans les premiers instants, sont soulagés. Ils pensent que c'est les renforts anglais du duc de Somerset. Mais évidemment, ils vont comprendre qu'il ne s'agit pas de renforts anglais, mais bien du connétable de Richemont qui, averti de l'avancée anglaise par Clermont, arrive au bon moment. Les troupes du connétable font la jonction avec les troupes de Clermont. La cavalerie lourde des chevaliers expérimentés s'organise avec Clermont. Le connétable de Richemont prend le commandement. Il semble alors que l'armée de Richemont se scinde en deux. Une partie qui va éventrer la réserve et l'autre qui vient en soutien de Koetivi et Clermont. Et là, c'est le début du carnage. Les archers anglais sont attaqués de partout, devant, derrière, sur les flancs, tandis que les coups Lovren tirent encore, probablement, quand c'est possible. La cavalerie lourde ne fait qu'une bouchée des archers et de la défense anglaise qui était déjà probablement mal en point avant qu'il arrive. Car si les archers sont très bons et redoutablement efficaces derrière leur ligne et leur retranchement, ce n'est pas du tout le cas lorsque les chevaliers passent cette défense. Ils sont à leur merci. Mais ce n'est pas fini, car le plus fou et le plus terrible pour les Anglais à ce moment-là, c'est qu'il y en a qui vont s'échapper dans le village de Formigny. Mais à votre avis, qui les attend à ce moment-là? Ce sont les paysans. Ces derniers vont les massacrer. Ils vont achever les derniers survivants, les derniers archers, soldats anglais qui tentent de s'échapper à Formigny. C'est un véritable massacre à coups de fourches et de pelles dans la tronche, tandis que sur le champ de bataille, eh bien, le ruisseau de Formigny coulait de sang rouge selon les textes de l'époque. Il faut reconnaître que les Anglais vont se battre avec un certain courage, mais totalement pris en tenaille et débordés de toutes parts. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Soit ils tentent de se battre jusqu'au bout et peut-être ils peuvent survivre, soit ils s'échappent, hein, évidemment, soit eh bien, ils se font attraper vivants et à ce moment-là, on leur coupe le doigt. Il ne faut pas oublier que les origines du doigt d'honneur viennent de là, puisque les archers anglais, pour provoquer les Français, leur montraient les deux doigts à une certaine distance, pour leur montrer qu'ils étaient toujours vivants avec leurs doigts, et à ce moment-là, eh bien, c'est devenu le doigt d'honneur que nous connaissons aujourd'hui, même si le doigt d'honneur anglais est donc avec deux doigts, alors qu'en France, c'est plutôt avec un seul doigt. En tout cas, même s'ils sont survivants, donc comme je le disais, on leur coupe les doigts, ce qui fait que c'est une mort sociale et économique en définitive. Formigny donc devient le tombeau des Anglais, dans ces si beaux champs que nous voyons actuellement, tandis que le ruisseau de Formigny ruisselle du sang rouge anglais, selon les chroniques de l'époque. C'est une victoire magistrale de Clermont et de Richemont. Non seulement ils capturent Kyriel, mais en plus ils éliminent l'ensemble des renforts archers anglais qui devaient reconquérir les territoires normands. C'est donc une des victoires majeures de la guerre de Cent Ans, avec Patay, Castillon, puisque en France on a peut-être trop tendance à parler des défaites françaises, à les mettre en avant, comme Azincourt ou Crécy, mais même si ces victoires sont extrêmement importantes pour les Anglais, elles ne sont pas définitives, tandis que Patay, Formigny et Castillon sont non seulement des victoires tactiques, mais aussi des victoires stratégiques qui vont permettre de récupérer la Normandie et la Guyenne. Et maintenant, on va parler un petit peu chiffres. Car en effet, les effectifs sur place sont très différents si on est du côté français ou anglais. Globalement, on parle de 7000 Anglais, parfois autour de 5000 Anglais à Formigny,
selon certaines sources, et de 4500 à 5000 Français et Bretons, selon d'autres sources. Évidemment, selon si la source est du côté français ou anglais, on a des grandes disparités. Néanmoins, on peut donc estimer que les pertes françaises ont été très largement inférieures à celles des Anglais. Déjà parce qu'ils sont vainqueurs, mais aussi et surtout parce que les chiffres donnent tous des pertes peu importantes à une exception près. Au niveau des pertes anglaises, on peut estimer à au moins 3000 morts sur place, mais probablement qu'on s'approche des 4000 morts, avec en plus des centaines de blessés et plusieurs centaines de prisonniers. De plus, il faut savoir c'est qu'il y a eu plusieurs centaines d'Anglais, voire jusqu'à un millier, même si ça paraît beaucoup, qui ont réussi à fuir, mais ça reste quand même très peu au vu des effectifs totaux sur place. Il faut noter qu'il y a fallu creuser plus de 14 tranchées pour enterrer tous les morts anglais sur place, d'où le nom du tombeau des Anglais. C'est d'ailleurs le connétable de Richmond qui va procéder à ces inhumations, comme on peut le voir sur ce dessin du XVIIe siècle, mais qui est une copie d'une tapisserie du connétable du XVe siècle qui a malheureusement disparu. Sans surprise, les Anglais ont tendance à minimiser les pertes tout en les exagérant chez les Français. Mais c'est de bonne guerre, puisque chez les chroniqueurs français, c'est un peu pareil. En effet, certains vont même jusqu'à dire qu'il n'y a eu aucune perte chez les Français. C'est évidemment peu probable, vu l'intensité des combats, mais on peut imaginer qu'elles furent relativement modestes. Après cette défaite, les villes qui sont encore anglaises vont tomber une par une sans quasiment offrir de résistance, à l'exception de Cherbourg, qui tiendra un peu plus longtemps. Tandis que Caen est assiégé par les troupes de Dunois, Clermont, Richmond et le duc d'Alençon qui se sont réunis et la ville va se rendre très rapidement. Le fait que les villes ont été prises si rapidement par les Français donne l'impression que les Anglais étaient principalement présents à Formigny et que cette défaite fait que il n'y a plus le nombre d'hommes nécessaires pour protéger la région. De mon point de vue, il n'était probablement pas que 4000 à Formigny comme le suggèrent certaines sources. On doit plutôt s'approcher des 7000 combattants sur place. Car sinon, comment expliquer cette débandade totale dans cette région, puisqu'en seulement un an, les Français vont récupérer la Normandie. Comme je le disais, la dernière place qui va résister, c'est Cherbourg. Elle va être assiégée pendant un mois. Les pertes chez les Français sont assez nombreuses, notamment avec la mort de l'amiral de Coëtivy, tué d'une couleuvrine. Alors qu'il avait été si éclatant et intrépide à Formigny. En tout cas, Cherbourg se rend le 12 août 1450 et signe la fin des Anglais en Normandie. Non loin d'ailleurs des plages de Normandie, où ont débarqué le 6 juin 1944 les Américains, les Anglais, les Canadiens et quelques Français. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que Formigny, la bataille? C'est d'abord un petit village, une petite bourgade, qui est devenue une communauté de communes avec le nom de cette fameuse bataille, Formigny. La bataille. Formigny, aujourd'hui, c'est surtout une étape pour ceux qui veulent en savoir plus sur les débarquements en Normandie en 1944, puisque les plages de Omaha Beach et Juneau sont à seulement quelques kilomètres. Après cette bataille de Formigny, une chapelle fut construite sur le lieu par le comte de Clermont vers 1485. C'est la chapelle de Saint-Louis que nous voyons aujourd'hui. C'est une des rares chapelles à avoir été construite en l'honneur d'une victoire française. Ce qui laisse à supposer qu'à l'époque, ça a été un événement non négligeable, même 35 ans après. Une cotte de mailles, d'ailleurs, avait été retrouvée en 1812 sur un Anglais mort pendant la bataille et fut très longtemps mise en exposition dans cette chapelle. Aujourd'hui, elle se trouve au musée de Caen. On pouvait voir aussi les boulets de couleuvrine retrouvés sur place. Mais nous avons également deux monuments érigés en souvenir de cette bataille. Le plus imposant est celui d'Arthur le Duc, sculpteur normand qui a réalisé l'œuvre au début du XXe siècle. Elle met en avant le comte de Clermont et le connétable de Richmond. On peut voir aussi une femme qui montre la direction de l'Angleterre aux Anglais avec son épée. Elle semble leur montrer la direction pour retourner dans leur pays. À 200 mètres de la chapelle, long de la route vers Cherbourg, qui est en fait une ancienne route romaine, se trouve une colonne commémorative élevée en 1835. Elle se trouve probablement à l'emplacement des troupes anglaises lors des premières phases de la bataille. Voilà, la vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivi jusqu'ici. Lorsque vous irez en Normandie, peut-être pour voir les plages du débarquement, n'hésitez pas à passer à Formigny en souvenir de cette bataille qui a changé le cours de l'histoire, avec notamment les débuts de l'artillerie de campagne,
puis, évidemment, les grandes compagnies d'ordonnance de Charles VII, qui sont en fait les ancêtres de l'armée de métier que nous connaissons aujourd'hui, et puis surtout, le début de la fin de l'occupation anglaise en Normandie.